Donc aujourd'hui, on vous retrouve avec une vidéo assez particulière, il faut dire. On a fait une mise en scène et on vous laisse avec la suite de la vidéo en espérant qu'elle vous plaise. When your legs don't work like they used to before. Bah j'ai rien d'autre à faire. Bah si, tu pourrais lire, ça te rendrait embête. Attends, t'es en train de fumer, je suis bête là. Non, relax, c'est juste que tu pourrais t'instruire. Bah j'ai mon téléphone pour m'instruire et puis regarde, je peux comprendre beaucoup de choses. Non mais je sais pas au niveau de la grammaire, de l'orthographe. Ne prends pas la tête avec ça pendant les vacances, relax. J'ai même pas m'intéressé à l'histoire qui n'est pas la mienne. Oui, mais regarde, quand t'es sur les réseaux sociaux, là tu crois que tu fais quoi? Tu t'intéresses à la vie des autres, non? Pourquoi tu me parles de ça au juste? J'aimerais simplement que toi et les autres personnes aiment un peu plus les lectures parce que c'est une passion mémorable. On passe certes des heures et des heures à lire, mais en fait la vie des personnages nous transporte et c'est ça le truc, c'est ça qui nous fait du bien, qui nous enivre. Et je trouve juste hyper intéressant que l'auteur arrive autant à nous transporter dans sa lecture. Ensuite, j'ai souvent lu pendant des heures et des heures. Je me souviens que je me couchais à 1h tout simplement parce que je voyais pas les heures passer. Et ça, c'est comme une drogue. Enfin, je veux dire, c'est vraiment hyper bien de te sentir dans le livre. Tu vois pas les heures passer, tu vois pas la réalité en face en fait. Et des fois, c'est sûr que c'est mal de pas vivre l'instant présent. Mais en même temps, je préfère ça des fois que de regarder la réalité telle qu'elle est. Oui, c'est vrai que vu sur ce point de vue, la lecture doit être agréable. Moi, par exemple, je ne supporte pas la violence et des fois, sur mon téléphone, je vois des choses horribles que je ne préférerais pas voir, tu vois. Oui, c'est sûr. En plus, les gens, ils disent que nous, lecteurs, on est naïfs de vivre dans nos livres, etc., dans nos histoires, à la place de nos personnages. Mais en fait, c'est mieux d'affronter le livre, finalement, que la réalité, parce que ça va être parfois dur, quoi. À travers cette petite mise en scène que vous venez de voir, on a tout simplement voulu vous faire passer un petit message. On a voulu vous montrer notre passion pour la lecture et pourquoi on aime lire. Donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire parce que je pense que la mise en scène a tout résumé. En gros, qu'on considère la lecture comme une drogue et qu'on aime bien lire parce qu'on peut partir dans un monde imaginaire et ne pas trop affronter la réalité en face et plutôt l'affronter dans un livre. Donc voilà. Du coup, on espère que cette vidéo vous a vraiment plu et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.